Bonjour. Bonjour Lyon. Allez, faites du bruit. Un barista, bartender, mixologue, indépendant. C'est un Marseillais qui habite à Paris, c'est peu commun. Allez, un tonnerre d'applaudissements. Il s'appelle Hakim Ben Hamouda. Les juges. Également sous vos applaudissements, le juge, technique et sensoriel. Allez, prenez place. Hakim, le time au début et bien sûr à la fin. Je te laisse la parole, tu sais tout. À toi de jouer, mon ami. La musique est prête? Les juges, vous êtes prêts? Le public? Time. Bienvenue dans mon bar, je m'appelle Hakim et je suis ravi d'être là, ici, avec vous. Aujourd'hui, il fait très froid. Quoi de mieux qu'un Irish coffee? Pour cela, je vais moudre mon café et j'arrive tout de suite. Allez, n'hésitez pas, on frappe dans les mains, on encourage Hakim. C'est un café d'Éthiopie de la région Ergashefe où Eliana Jorgalis cultive son café à 2000 mètres d'altitude. C'est un heirloom comme variété et le process est nature. Là, pour mon V60, je mets 30 g de café pour 400 g d'eau. Où je fais une première pré-infusion de 76 g pendant 30 secondes qui va permettre de dégazer le café. Et ensuite un deuxième versement jusqu'à mes 400 g pour avoir de la puissance à mes Irish Coffee. Ce café est très floral avec des notes jasmin, agrumes, et thé noir en finale. Maintenant, dans mes verres Irish Coffee, je mets 20 ml de sirop de sucre de canne Mona. Là, je mets aussi 20 ml de Slane, qui est un whisky irlandais, triple casque, qui est épicé avec ses notes de vanille et caramel qui lui apportent de la douceur. Maintenant, veuillez m'excuser, je vais checker ma crème de Normandie. Vous êtes prêts à l'encourager, Hakim? Allez, Lyon, fais du bruit! Là, je vais filtrer. Donc, mon Irish Coffee va être très gourmand. Pourquoi? Parce qu'il aura des notes de sucre roux caramélisé, notes de jasmin et une belle acidité. Mon temps d'extraction est de 2 minutes 45 où il a été torréfié pendant il y a 7 jours par Jean-Baptiste Murcia de Terre de Café. Maintenant, veuillez m'excuser, je vais verser. Going.
Tout de suite, je vais verser ma crème. Superbe, super Hakim, on l'encourage, Lyon, s'il vous plaît. Bonne dégustation. Alors, maintenant, j'espère que vous êtes réchauffés. Maintenant, on part tous ensemble à la plage, sur un transat. Pour apporter une... j'arrive tout de suite et je vous ramène une boisson rafraîchissante. Alors, dans mon shaker, je mets 3 gros glaçons. Alors, là, c'est un café du Salvador Bourbon Rouge, café nature, qui a été cultivé à 1500 mètres d'altitude. Dans mon shaker, je mets 25 g de café par récipient. Pour mon extraction, j'ai mis 20 g de café pour 50 g en sortie. Là, je mets 10 ml de cordée d'agrumes où j'ai mis des zestes d'agrumes, orange, citron vert, citron jaune avec leur jus et cuit avec du sucre pendant 3 heures. Ensuite, 10 ml de rhum plantation pineapple, c'est un rhum de mélasse qui vient des Caraïbes où les ananas victoria sont épluchés à la main. Il a des notes de clou de girofle, miellé, avec une finale ananas, qui est très longue. Et ensuite, 20 ml par récipient de Woodford Reserve, qui est un bourbon de Kentucky, où il a des notes de toffee, caramel, cacao, avec une finale très soyeuse. Là, je mélange. Là, je vais utiliser une technique de Cuban Roll dans quelques instants qui va aérer le cocktail. N'hésitez pas à faire du bruit, Lyon. On encourage Hakim encore. La dernière ligne droite pour lui.
Là, maintenant, je vais verser directement. Ce cocktail aura des notes de cacao épicé avec une finale ananas. Bonne dégustation, mettez la paille directement. J'espère que vous avez profité du bon moment. Merci, time. Bravo Hakim Belhamouda. Qui est à l'heure? Ouais. Tu veux un petit verre d'eau, un petit sopalin? Ouais, un verre d'eau. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Ah tiens, on a de l'eau Brita. Ah, ça Brita. Tombe bien. Quel hasard, me dirais-tu. Ah, c'est peut-être pétillant, ça ira quand même. C'est parfait. Alors, Hakim, raconte-nous un petit peu ta préparation, comment tu as vécu le moment et comment tu as appréhendé cette finale. Moi, ouais, j'étais un peu stressé, mais j'ai kiffé d'être là à Lyon avec vous tous. Ouais, merci, ça se peut se souligner. La préparation, toujours 10 jours avant, je me suis entraîné après le travail à faire des arrêts choufi. Voilà, je me suis un peu raté, je pense. C'est-à-dire ? Mais sur la mousse, ça pas trop l'arrête ? Ouais. La deuxième ? La deuxième, pas la première. La première était... Quelle est toute la difficulté, justement, sur cette crème pour l'Irish Coffee ? Oui. Pour les gens qui sont peut-être pas forcément pros dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? D'avoir un bon sucre, un très bon café qui est puissant, du bon whisky et une bonne crème, tout simplement. Alors voilà, le secret de la crème, c'est quoi le secret de cette crème ? C'est de bien shaker avant, avec une... Donc tu la shakes comme ça, sans glace ? On peut donner un petit peu nos... Ouais, j'ai shaké sans glace. Tu la shakes en dry shake comme ça ? Dry shake. Les juges qui veulent te remercier. Merci. On peut les applaudir, les juges, encore une fois, pour leur travail exceptionnel qu'ils font depuis 5 jours, sans dormir, à boire du café toute la journée. Eh oui. Mais en plus, ils boivent un petit métier. Peu d'alcool en plus. Ils ne peuvent plus conduire et ils peuvent rien faire. Ouais, donc le pourcentage de matière grasse de la crème et puis le 30% minimum. 30% minimum, on vous le recommande. Et puis bien sûr, shaker énergiquement, donc là il faut être un peu... Il faut être un peu costaud comme moi. Voilà, pareil, je peux dire quasiment la même chose. Et on finit sur une petite touche d'humour. Merci beaucoup, c'était une super, super prestation. On peut l'applaudir. Merci. Encore une fois. Merci beaucoup. Hakim, merci beaucoup, on te revoit. Avec beaucoup de plaisir. Alors...